Ouh là là là. Wouah. Wouah. Ah. Je vais couper. Wouah. Ah. Wouah. À la station de ski. Salle de jeu. Boule de bowling. Youhou les gens. Hop là. Hop. Bonne nuit. La montagne, ça vous gagne. Ça y est. Pink Swan, la vilaine. Non. Tu es quelqu'un. Oh. Granny est transparente. Et un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Super Max Family. Merci beaucoup. Cœur sur vous. Ah. Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Et quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour refaire du Granny sur Roblox. Mais il y a une énorme mise à jour très récemment. Une toute nouvelle map. On va aller à la maison de vacances d'hiver de Granny et de grand-papa. C'est là où ils font du ski, il y a des télésièges. Deux sorties différentes qu'on va faire. Ça va être très cool, vous allez voir. Plein de nouveautés. On va même jouer au bowling dans Granny. Oh c'est super. Mais avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer, yeah. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter bien quelques vinyles de ma collection. Alors qui s'agrandit, hein. Vous le voyez, avant j'avais un bac comme ceci. Après j'en ai acheté un deuxième et je viens récemment d'en acheter un troisième puisque bah j'ai plus de place. Donc voilà, la collection s'agrandit. Je vais vous montrer, alors pas tous les vinyles parce qu'il y en a beaucoup, donc je pourrais passer des heures dessus. Mais je vais vous les montrer 3 par 3. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 3 vinyles que je viens récemment d'avoir. Récemment ça veut dire dans les 2 dernières semaines. Donc on commence par ce vinyle là qui est la reproduction du vinyle original de Donna Summer, son album Bad Girls, qui est pour beaucoup l'album de référence de la disco, si vous aimez la disco. C'est un album qui est sorti dans les années 70 et là c'est la réédition avec un joli coffret comme ceci avec des photos. Bien sûr, hein, vous connaissez Donna Summer, je pense. Si vous connaissez pas, tapez, cherchez, vous avez forcément entendu des chansons d'elle. Donc voilà, ça a été produit par Giorgio Moroder qui a fait vraiment énormément de chansons. Il y a beaucoup de chansons, il y a 4 côtés, donc il y a 2 vinyles et en plus ils sont trop jolis, ils sont colorés. Donc je vous montrerai les vinyles après, hein. Je vous les sortirai parce qu'il y en a des colorés. Ensuite l'album Daft Punk, bien sûr, magnifique album, celui qui a vraiment fait exploser les Daft Punk avec One More Time et aussi Harder, Better, Faster, Stronger. J'adore, génial cet album. J'ai découvert qu'il y avait plein de chansons que je connaissais pas et c'est top. Oui, il y a un peu de poussière mais c'est pas grave. Donc c'est parce que je l'ai mis sur le sol et il y a de la poussière sur le sol et comme c'est tout noir. Bref, très jolie édition là aussi qui s'ouvre comme ceci avec des poches à l'intérieur qui sont vraiment en carton solide et tout. Les vinyles sont à l'intérieur. Bon, ceux-ci sont tout noirs, mais voilà, très bonne qualité. Et bien évidemment, vous l'avez vu, Shakira a ressorti son premier album. Ça vient tout juste de sortir. C'est bien sûr celui où il y a Whenever, Wherever. Il y a aussi Tango, Objection, pardon, et Underneath Your Clothes. C'est vraiment son album phare. C'est mon préféré d'elle, bien sûr. Et j'adore. Je l'écoutais mais tellement de fois quand il est sorti. Et en plus, c'est une édition jaune et j'aime beaucoup. Donc je vous sors les vinyles et je vous les montre. Ah oui, ce que j'aime aussi avec l'édition de Donna Summer, c'est qu'il y a les paroles ici sur les pochettes qui sont en carton elles aussi. Et donc voilà, j'ai sorti les vinyles, c'est très joli, c'est 4 couleurs, j'adore. Donc ici nous avons un rouge translucide, transparent, un bleu transparent, c'est vraiment une édition magnifique. Bon là je vous l'avais prévenu, hein, je vous avais dit c'était noir, donc classique, noir. Mais c'est marrant parce que ça tranche avec les couleurs arc-en-ciel de la pochette. Et bien sûr Shakira, un jaune vif bien pétant comme le soleil, comme ses cheveux. C'est sublime. Donc voilà, écoutez, c'était ma sélection du jour. De la disco, de l'électro, de la pop. Il y en a pour tous les goûts. Donc je vous mets les liens vers ces vinyles dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et maintenant, back to the baby. Et maintenant il est temps de lancer le générique. Merci pour tous vos commentaires et il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Et les commentaires viennent de cette vidéo, c'était la dernière vidéo Metal dans laquelle j'avais fait les 2 premiers chapitres, enfin les seuls qui sont sortis sur PC, ça vous avait beaucoup plu, c'est cool. Le premier commentaire vient de Ultimate Gaming World qui me dit, dès que j'ai vu cette vidéo, je suis direct allé dessus, en plus j'adore Metal. Merci pour cette vidéo en début de week-end, c'est vraiment trop génial, t'es le meilleur. Et si tu pouvais tester la nouvelle mise à jour de Evil Doll avec la nouvelle pièce et la nouvelle arme, ce serait génial. Merci pour ton commentaire, je suis content que ça t'ait fait plaisir. Metal, et surtout vous avez été très nombreux à me dire que ça vous avait fait plaisir que je refasse Metal. Je ne savais pas que ce jeu était aussi populaire. Malheureusement il n'y a plus d'autres chapitres donc je pourrais pas continuer, je peux pas faire d'autres sorties. Et pour Evil Doll, oui bien sûr, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Evil Doll, surtout si tu me dis qu'il y a des nouveautés, nouvelles pièces et tout, pourquoi pas. Le deuxième commentaire vient de Coulon Trari Nadège qui me dit, salut Max, mon petit plaisir de la semaine c'est de me lever le dimanche matin pour filer voir ta nouvelle vidéo, merci les parents. Et je t'imagine en train d'aller voir la vidéo le dimanche matin bien
bien tranquille. Bah voilà, ça me fait plaisir d'imaginer que vous passez un bon moment le dimanche matin. Bon, vous pouvez la regarder dans l'après-midi aussi, hein, je sais que vous êtes nombreux à vous lever un peu plus tard. Donc bah voilà, c'est fait pour vous pour le dimanche, comme ça vous vous détendre un peu dans cette journée un petit peu où il se passe pas grand chose. Et bien moi je suis là pour vous proposer une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, bah dites-moi le dimanche quand vous regardez la vidéo, plutôt le matin, plutôt dans votre lit, plutôt devant le canapé, plutôt l'après-midi, dites-moi ça, ça m'intéresse. Et le troisième commentaire vient de RafixYTB qui me dit: salut Max, j'espère que tu vas bien. Désolé, je te dérange, mais j'ai un petit défi à te donner. Tu ne dois pas prendre l'ascenseur dans Granny chapitre 3. J'espère passer en vidéo. Je suis abonné à ta chaîne en 2017, continue comme ça. Oh, merci à toi, déjà tu ne me déranges absolument pas. Merci pour ton commentaire, merci à tous pour vos commentaires. Merci de me suivre depuis 2017, ça fait déjà maintenant 5 ans. Oui, déjà. Et pour le challenge, alors j'ai bien réfléchi, mais je pense que c'est impossible. Puisque bah pour faire Granny 3, il faut mettre le Teddy dans le berceau pour avoir une clé qui va nous débloquer quelque chose. Et si je ne peux pas prendre l'ascenseur, je ne peux pas aller poser le Teddy. Parce qu'on n'y a accès que par l'ascenseur, il me semble. Mais en tout cas, ça me permet de vous demander de vous mettre bah, dans les commentaires vos challenges sur Granny. Dites-moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse dans Granny chapitre 1, chapitre 2 ou chapitre 3? Merci pour tous vos commentaires. Vous pouvez en laisser un pour être sélectionné pour une prochaine lecture. On va se téléporter dans l'espace gaming pour faire Granny sur Roblox. Suivez-moi, let's go! Ouh, ça y est, je suis assis. Y'a l'ourson aux yeux des là, il va m'accompagner de retour dans Granny Roblox. Avec bien sûr cette nouvelle mise à jour qu'on attendait depuis très 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 longtemps. J'y joue sur PC à la manette. Toi, tu laisses un max de likes. Explosez le compteur des pouces bleus si vous aimez Granny sur Roblox. C'est parti, let's go! Et nous voici dans l'écran d'accueil de Granny. Alors déjà, j'ai l'impression que la musique est un peu différente. J'ai l'impression que Slend Reinhardt a un peu fait du vomi de brocoli. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est plus vert qu'avant. Les personnages, je sais pas, la tête du grand-père a l'air un tout petit peu différente. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va changer un peu tout ça. Parce que c'est plus Noël, c'est plus les fêtes. Donc, on va remettre bah, des tenues un petit peu plus normales, bien évidemment. On enlève, bien sûr, la tenue de Noël. Je peux acheter les cornes, quand même. Il y a plein de nouveautés. Le masque de clown, le masque de robot. Oh, le masque de Scream. Oh, 26 000, ok, j'achète plus rien. Moi, je veux le masque de Scream. Bon, on est dans Granny numéro 1. Oula, j'ai entendu quelqu'un se faire squisher, là, déjà. Bonjour. Où êtes-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai peur. Est-ce qu'on peut se cacher sous le lit? Non! Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, je sais pas s'il y a des nouveautés. Mais ça m'a... Il y a un feeling un peu différent. Comme si c'était encore plus proche de la réalité de... du vrai Granny. Vous voyez ce que je veux dire? Oh! Je l'ai entendu parler. Je sais pas où elle est. What? C'est quoi, ça? C'est quoi? J'ai eu un flocon! Pourquoi faire les flocons? Qu'est-ce que c'est, les flocons? Oh, la petite flocon! Ah oui! Non, il y a eu des petites nouveautés dans la map, non? C'est un petit peu plus... Je sais pas. Ah, il y a toujours ce petit tunnel ici. Je vais augmenter un peu le son de mon côté parce que j'entends pas très bien le jeu. Et c'est important d'entendre le jeu. Parce que s'il y a Granny qui arrive, il faut que je sois capable de l'entendre. Surtout que là, j'ai aucune idée d'où elle est et ça me fait flipper. Donc, il faut le marteau. Il faut le marteau, il faut donner les graines. Alors, j'entends des gens se faire squisher ou c'est moi? C'est dans ma tête. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un a ouvert ici. Bravo, bravo à vous. Je suis fier de vous. Ah, c'est quoi ça? Ah, le marteau! Eh ben écoutez, c'est formidable. Puisqu'il faut casser les planches ici. Toujours regarder, hop là, elle n'est pas là. Alors, tac tac. Voilà, oula. Je l'ai entendu d'un peu trop près. Qu'est-ce qu'on a? La manivelle du puits. Ok, mais avant de prendre la manivelle du puits, je vais déposer ceci dans le jardin. Comme ça, je pourrais le récupérer facilement. Vous voyez ce que je veux dire? On y va. Ok, elle est pas là. Je dépose ça là. Et je vais récupérer la poignée du puits. Merci. Ah, formidable. Bon, on arrive, on a déjà des choses. C'est bien. Mais restons vigilants. J'ai toujours peur dans des moments où on voit pas très bien où on va, que Granny arrive. Allez. J'ai la poignée. Attention, c'est souvent au détour des couloirs comme ça que Granny peut nous surprendre. Allez, on va faire le puits. Si je peux. Ok, pour l'instant ça va. Pas faire le glingling. Eh, moi j'ai envie de prendre des flocons. Ok, tac. Allez, donne-moi ton trésor. Qu'est-ce que c'est? Ah, la playbouski. Super, parce que on va récupérer. Oh. Oui, la Master Guy. C'est ça qu'on veut. Je vais quand même prendre de petits flocons. Flocons, flocons. Hop. Merci. Je vais essayer de passer par là directement.
Bonjour. Bonjour, il y a personne, j'espère. Petit flocon magique, donnez-moi. Alors, il faut le marteau. Bon, attendez, je vais laisser ça là. Je vais chercher le marteau. Faut casser la plan-planche. Hop. Oh, les tableaux toujours aussi sympathiques. Attendez, j'entends Granny, mais je ne la vois pas. C'est quand même assez étrange. Tant mieux, hein, remarquez, vous allez me dire. Je cherche pas à la voir non plus. Hein. C'est pas quelque chose qui... Ouh là 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 là, elle est en haut, ça y est, je l'ai vu, merci. Voilà, il faut les pinces coupantes. Il faut les pinces coupantes. Là, il y a quoi? Il y a rien. Ah ben, elles sont là, les pinces coupantes. Bah alors. Ok, donc ça, c'est fait. Je vais couper également ici. Il manque plus que la padlock key. Bah écoutez, formidable. Elle a posé un piège, la coquinette. Il faut la padlock key. Oh oh. Quelqu'un s'est encore fait squisher. Là, il faut encore deux objets. Où est-ce qu'elle peut être, la padlock key? En plus, j'ai l'impression de l'avoir vue quelque part. La clé bleue. Ouf. Oh, c'était risqué, mais... C'était voulu. Elle est là. Wow, 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 on se calme, vilaine. Non, mais oh. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Vilaine. Oh, elle est là. Oh, la vilaine. Oh. Mais laisse-moi. Laisse-moi. Ah, pousse-toi, toi. Il faut la padlock key. Oh. Attends, elle est vraiment pas là? Non, elle est pas là. Oh. Wow. Wow. C'était tendu, hein. Allez, la padlock key. C'est bon, elle est pas là. Vite. C'est quoi ça? La clé du coffre. Allez, on va essayer d'ouvrir le coffre. Ok, y a rien. Oh. Non, non, non. Non, c'est pas juste, j'avais le temps. Il me restait juste la padlock key à trouver. Je suis déception. Je suis colère. C'est une blague, moi je veux voir la nouvelle map. Je veux voir la nouvelle map. Ces gens ne veulent pas jouer au ski. Qu'est-ce qu'il y a avec la map du ski? Elle est pas bien la map du ski? Je ne la connais pas. Bon, on va essayer de sortir vite fait bien fait. Comme ça, on pourra aller voter pour la map du ski. Et puis de toute façon, après cette partie-là, quoi qu'il arrive, je fais la map du ski. C'est-à-dire que s'ils votent pour ça, une autre map, et ben moi, j'irai dans une partie où il y a, le ski. Voilà. Quoi qu'il arrive, je veux faire le ski. Je ne connais pas. C'est la station de ski, ça a l'air très sympathique. Et j'ai hâte de découvrir cette map, même si je me dis quand même qu'on va galérer, because ça va être compliqué, parce qu'on connaît pas, ça va être tout nouveau. Est-ce que là... Ah non, là, c'est déjà ouvert. D'accord, je me disais, quelqu'un a ouvert, patati patata. Non, 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 que nenni. Ils n'ont pas fait le truc du bouton à appuyer pour ouvrir la porte. Ce qui est dommage, ils pourraient le faire, je trouve. Hein. Voilà, un petit peu d'effort. Non, je rigole. C'est déjà énorme ce qu'ils ont fait sur ce granit-là. Granit-là. Oh, le marteau. Je crois que c'est mon objet préféré, j'adore. Pour casser les planches. J'aime le granola. Je pense au granola parce que j'ai parlé du granit-là. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Y'a personne? Très bien. Laissez-moi casser la planche. Voilà. Oh, bonjour Granny, au revoir Granny. Je vais passer par là, hein, voilà. Non. Voilà, voilà, merci. Hop. Tac, 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 je vais casser les planches ici. Vite fait, bien fait. Et il faudra que je casse... Voilà. Aussi en haut. Dans la petite pièce du grenier. Ah, le grenier de Granny. Marrant, ça aussi. Le grenier de Granny. Hop. Par ici, la compagnie, merci. Bonjour, au revoir. Voilà. Merci. Ah, oh, bah non, il n'y a pas de planche ici. Bon, bah je lâche ça. Et je vais essayer de voir ce qu'il y a ici. Rien. Rien. Merci bien. Ici, il y a quoi? Les pinces. Ah, bah écoutez, formidable. Quelqu'un a déjà coupé ça? D'accord. Est-ce que je crois que je peux sauter, hein? Ouais. Sans problème. Hop. Voilà. Et je vais couper. Waouh! Je vais pas couper en bas. Non, ça ira. Hein, je vais plutôt. Voilà. Ah, ben. Les objets changent de place. C'est pas pour m'arranger cette histoire-là. Bon, 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 bon. Ah, quelqu'un a pris un piège. Oh oh.
Oh oh. C'est pas moi, Granny. Elle est où? Oh ah! Maman mimo, mais pourquoi? Laisse-moi aller en bas. Bon, attendez, on va faire le tour par là, c'est pas grave. C'est pas grave. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas observé ni là, ni là. Ah si. Et à... Ah! Oh, je l'ai pas vu arriver. Oh la vilaine! Alors, j'ai trouvé une solution, j'ai appelé Pink Swan en renfort, coucou, c'est Pink Swan, et elle va m'aider à voter pour le ski resort. Regardez comme elle recule, regardez, et bah tiens, voilà! Donc, on a fini la partie, c'est voulu, elle l'a fait exprès. Allez, on vote! Oui! On va enfin faire le ski resort, c'est parti. Oh non! C'est moi, Granny! Oh oui, oui! Comment ça se passe? Waouh! Regardez comme c'est joli! C'est très joli! C'est la station de ski! Oh, écoutez l'ambiance. Il neige. Oh oh, c'est quoi? Une boule de bowling ou une noix de coco? Il y a une petite maison ici. C'est la maison de vacances de Granny. Regardez le petit chalet. Oh, c'est mignon! Alors, il y a une arme ici. On est dans la montagne. La montagne, ça vous gagne. Nous avons un pont ici. Alors, apparemment, on peut pas passer. Sauf que peut-être on peut mettre des planches pour passer. Je ne sais pas. J'ouvre ici. Oh, waouh! Ouh, salle de jeu! Ah! Super! Ok. Boule de bowling, donc c'est là. C'est là qu'il faut mettre la boule de bowling. Waouh! C'est quoi cet arbre qui monte, là? Oh, c'est flippant. Ok, on avance. En tout cas, c'est joli, hein. Cette map, elle est... Waouh! Déjà, elle m'impressionne. Est-ce qu'en tant que Granny, je peux prendre les flocons? Je crois que oui. Depuis tout à l'heure, j'en prends, j'ai pas fait gaffe. Il reste deux personnes. Mais en tout cas, j'ai croisé personne depuis tout à l'heure. Youhou, les gens, vous êtes où? Elle est immense, cette map. Ah, bonjour, Madame Jambon. Alors, j'ai mis un piège ici. Ok. Arrête! Viens ici, madame. Viens ici. Bon, elle fait le tour. Elle fait le tour. Je crois avoir compris cette map. Je crois que... Hop! Je vais mettre un piège ici. Hop. Bonjour, madame. Comment on se retrouve? Et où? Elle va venir ici. Et oui, elle va être coincée, la madame. Merci. Oui, oui, oui. Elle est où? Je l'ai perdue. Ah! Bonjour! Bouju, bouju, bouju. Bon, je vais pas squisher Pink, je suis gentil. Par contre, elle, oui. Bonjour! Hop là! Voilà. Allez, je l'accompagne, comme ça elle va observer un petit peu la map avec moi. Je vais la protéger. Je suis Granny, sa garde du corps. Coucou. Oh, il y a un télésiège. Waouh, beaucoup de choses. Oh, bah alors, tu t'es pris mon piège. Pardon, j'aimerais pas... Hop. Elle a pas dû le voir venir, celui-là. Je l'ai squishé. Oui, mais bon, c'était pour rigoler. Parce qu'en fait, j'ai envie d'être le joueur. Sauf que maintenant, je dois trouver quelqu'un. Où est cette personne? Bonjour, où êtes-vous? Je vous vois. Peut-être dans ce... Oh, waouh! Il y a un sympa de Noël. Ah, ah, est-ce qu'elle dit quelque chose? Mais oui, oui. Où est? Je vais lui demander. Où est l'autre joueur? Comme ça, je vais pouvoir le squisher. Because là, il me manque... Ah! C'est près le piège, là-bas. C'est bien. Petit indicateur de piège. Elle est là où tu m'as squishé. Ok. Oh non, je l'ai perdu de vue! Bah, oui, oui! Où êtes-vous? Attendez, je vais remettre un piège. Là. Je vais mettre un piège. Là. Voilà, voilà. Ah! Bonjour! Bonjour! Allez! Bonne nuit! Voilà! Oh, il reste encore une personne. Mais oui, oui! Pourquoi tu ne veux pas disparaître? Voilà. Mettre un piège là. Voilà! Bon, vous êtes où? Vous êtes où, la dernière personne? Moi, je veux faire cette map, mais en tant que personnage. Ok. Allez, hop. Mais ils sont où?
Attendez, vous croyez qu'il se cache quelque part là? Non. Là, il y a un prix, il faut récupérer un prix. Donc, il faut faire la boule de bowling pour récupérer un prix, une clé. Poulalalala, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette map. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit impossible à faire. Ah, bonjour. Coucou. Ah, bonne nuit. Non, mais encore une personne qui a spawné. Je veux bien, mais à un moment donné, comment je vais faire, moi, si vous faites que spawner par-ci, par-là? Oh. Où êtes-vous? Où êtes-vous? En avant les histoires. Là, il n'y a personne. Ah! Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va? Voilà. Bah, allez, essaie de faire le tour maintenant. On va m'en rigoler. Hop. Hop. Oh, mais où? Ça suffit. Tiens. Toi aussi. Viens là. Viens là, j'ai dit. Viens là. Mais va plus vite que moi. Ça se fait trop pas. T'as pas intérêt à me fermer la porte au nez. Oh, bah tu vas être... Oh. Oh. C'est fini. Allez, on rejoue et on revote pour cette map. Ah, c'est Nigonini. Nigonini. Let's go. Oh. Regardez, il y a Granny qui est là. Oui, c'est flippant. Là, on peut ouvrir. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok, là, on est dans la maison avec le sapin. Ah, il y a quelque chose. Ah oui, je vais faire le bowling. C'est parti. J'ai la boule. Elle est bowling. Alors, j'ai la boule de bowling. Bonjour. Je sais pas qui vous êtes. Alors, je vais essayer d'y aller. Ok, je crois que c'est par là. Regardez, il y a le camp, rest house et la montagne. La montagne, ça vous gagne. Allez, on va essayer de passer par là tranquillement. Ouh là 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 là. C'est un peu flippant quand même, ces petits recoins là. Ouh. Bonjour. Allez, je vais faire la boule de bowling. C'est parti. Et hop. Wouh. Ça a ouvert ça. Pas lucky. Super. Et ben voilà. J'ai gagné, j'ai fait un strike. Allez, j'ai la padlock key, total marteau, c'est formidable. Alors. Là, il y a quoi? Ah, le code. On a un code. Ok. Safe key. J'ai besoin de la clé d'un coffre. Ok. Oh non. Hihi. Bon, il y a quoi là? Ah, la clé de l'arme. Ok. Padlock key. Qu'est-ce que... je sais même pas où est la sortie en réalité. Ah, là. Là. Regardez. Et... Hop. Voilà. Je vais chercher le code. Ah, ça me gratte à l'œil. Ah. Ça me gratte à l'œil. Qu'est-ce qu'on fait quand ça se gratte à l'œil? Bon, on se gratte. Je vais prendre le code que j'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu. Je l'ai vu où? Je l'ai vu par là. Oui, je l'ai vu là. Hop, on prend le code et je vais faire le cadenas à code. Parce qu'il me semble que c'est bien un cadenas à code que j'ai vu. Ok, on y va. J'ai déjà vu une sortie. Peut-être qu'il y en a deux, mais j'ai déjà vu une sortie. Parce que là, bon, il faudra enlever les lasers aussi. Là, normalement, c'est ça, non? Oui! Bon, on doit enlever les lasers. Comment est-ce qu'on enlève les lasers? Nul ne le sait. C'est bien, j'ai pas vu Granny tout à l'heure. Et peut-être que la fille qui jouait Granny ne voulait pas cette map. Donc elle est partie. Et donc tant mieux, parce qu'on est un peu tranquille pour explorer la map. Et on peut peut-être s'échapper. Parce que j'ai même pas entendu Granny parler. Hein. Alors là, il y a un truc qui brille. Oui. Là, safe key. Ah bah, je sais où est le coffre. Mais ouais, on l'a vu tout à l'heure. Donc on y va. Ah, c'est cool, elle est géniale cette map. Oh, j'adore, il y a une ambiance et tout. Ah, je sais pas qui... Bonjour. Ah, c'est Victor. Alors là, il y a un monsieur qui lui dit « Coucou! Youhou! Youhou! » On peut s'échapper par télésiège, c'est mignon. On essaiera de s'échapper par le téléski. Mais pour le moment, je vais essayer de déverrouiller le coffre. Hein, voilà. Oh, là, il y a un truc. Oh! Ok, chèque qui, je vais le laisser là. J'essaierai de me souvenir. Ne prends pas ma chèque qui, hein. Bonjour. Hop. Allez, mais I know. Oh, remote control. C'est pourquoi la remote control? Aucune idée.
Je lui ferme la porte au nez. Alors, est-ce que c'est pour là? Est-ce que c'est pour là où il y a les lasers? On sait pas. Non. Ah, waouh! Ça y est! Mais oui, mais... Bon, on va s'échapper par une autre sortie après. Ouais! On s'est échappé! Ah bah écoutez, c'est génial! On a fait une première sortie. On va essayer d'en faire une deuxième. Yeah! Encore. On s'échappe par une autre sortie. Allez, on y va. Je crois qu'on peut partir par les télésièges. Faut essayer. Allez, sors, toi! Mais sors! Pourquoi elle sort pas celle-ci? Ah! Voilà! J'adore. On va essayer de partir par les télésièges. Ah! C'est Pink Swan, la vilaine! Pink Swan, la coquine. C'est parti. Il faut s'échapper par le télésiège. Alors. Bonjour, Gragra! Bonjour, Nini! Non! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne sur elle-même! Elle va nous aider! Ah, c'est là! D'accord. D'accord. Nananer. Attendez, je vais lui faire un petit nananer. Nananer. Voilà. Hey, Pink. Nananer. Ah, je lui ai fait nananer. Allez, hop, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? Non. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non. Alors, les flocons. Ok. Pour l'instant, j'ai pas d'objet, hein. C'est pas rassurant. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, c'est les toilettes. Et où? Berk. Les toilettes de Granny, quelle horreur. Là, on a quoi? Chez de qui? J'ai le chez de qui? Alors, je vais pouvoir ouvrir la petite cabana. Alors, où est... Wow, elle m'a fait peur celle-ci. Elle a eu peur aussi, je crois. C'est quoi? Le code, on s'en fiche. Because, on veut partir par le télésiège. Elle a tué quelqu'un. Oh! Tu te calmes, hein? Bon. Non, le code, ça sert à rien, Victor. Et puis, j'ai pas trouvé encore la cabane. Oh, mais elle est où, la cabane? Il faut bien que je l'ouvre, because j'ai la clé rouge. Ah, là-bas! C'est tout droit. J'ai trouvé. Ça y est, enfin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi? Oh, faut le marteau! I need the marteau. Donc, ici, on a rien. Ici, on a rien. Ah, j'ai le marteau. Oui. Ouf, j'ai bien fait de regarder ici. Donc, on va ouvrir la boîte. Bonjour. Elle me regarde avec sa grosse banane. Qu'est-ce qu'on a? On a la clé du trésor. Regarde ce que j'ai. J'ai la clé du trésor. Laisse-moi. Tu me frappes pas. Mais non. Je veux pas partir ici. C'est quoi le trésor? Ça c'est quoi? Un remote control, je m'en fiche. Trésor, la clé du trésor. Ah là, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, duct tape. C'est pour réparer. D'accord, c'est pour réparer. Alors, est-ce qu'il faut réparer ça? Est-ce qu'il faut réparer quelque chose ici? Bon, écoutez, je vais laisser ça là pour l'instant. Et je vais récupérer le tournevis. Ouais, le tournevis! Ah là! Ah oui! J'ai le tournevis! Ça y est, enfin! Je savais bien qu'il y avait une autre boîte. C'est pas possible autrement. Hop, c'est par là. En plus, j'étais juste à côté. Tac! Voilà. Alors, on dévisse tout ça. Duct tape, je l'ai. Voilà. Je peux m'asseoir. Oh! Ça y est! Je me suis échappé! En fait, il fallait juste le tournevis et le scotch. Maison numéro 3, comme ça, ça va varier un petit peu les plaisirs. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, on y va. On n'est que tous les trois, en plus. Et c'est Victor, la grosse vilaine. Oui, c'est Victor, la grand-maman. Eh bien, c'est parti, on y va. Ah, oh, waouh, oui, on y va. Là, il y a quoi? Il y a rien. Là, il y a rien. Là, c'est fermé. Je vais aller voir directement en bas, au niveau du métro. S'il y a quelque chose, sachant que là... Ah bah oui, il y a le pied de biche. Biche, ma biche, lorsque tu soulignes. Hop là. Moi, je vais casser les boîtes. Là, on a quoi? Le Teddy. On va
pouvoir faire le Teddy. Attention quand même. Waouh, j'ai eu peur. Là, on a la clé rouge. Tac, je crois qu'il y a une autre boîte en haut. Ah ouais, 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 je sais où elle est. Au niveau de... Attendez. Comment qu'on fait? C'est pas là. C'est là. Et hey, heureusement, je m'en souviens. Voilà, on a la clé du train. Et on a une autre boîte dans la cuisine, il me semble. But je ne suis pas sûr du tout. Là, il n'y a rien. On va quand même aller voir dans la cuisine, on sait jamais. J'espère que... Ouh, il y a quelqu'un qui a ouvert une porte, là. Ok, c'est bon. Là, il n'y a rien. Ah! Clé de l'arme. Là, il n'y a rien. Là, il y a les allumettes. Bon, il n'y a pas d'autre boîte, donc pour l'instant... Ah, si! Je sais. C'est pas dans la maisonnée, là, du jardin. Oula. Attendez, c'est pas dans la maison du jardin. Y a pas une boîte là? Elle est déjà ouvert ici? Qui c'est qui a ouvert ici? Bravo hein. Bon écoutez, je vais laisser ça là pour l'instant. Tac, je vais aller faire le Teddy. Oh, pourquoi il est transparent? Granny est transparente, avec une scie et des yeux globuleux. Laisse-nous tranquille, Granny. Et vilaine, regardez, on dirait un monstre. Qu'est-ce que c'est? C'est un fantôme. C'est le fantôme de Granny. Non, laisse-nous. Allez hop, moi je vais chercher le Teddy. C'est parti. J'espère qu'il va pas me voir aller en bas. Oh, on y va. Elle a pris le Teddy, je crois. J'ai pas vu ce qu'elle avait dans les mains. Qu'est-ce qu'elle avait dans les mains, Pink? Oh non. Ah bah oui, c'était le Teddy. Bon, bah je peux pas faire le Teddy. Par contre, bah je vais voir ce qu'il y a là. Voilà, elle a mis le ticket. Alors, j'ai la clé du train, mais il manque le levier. Le levier du train. Bon, on va aller chercher. Hop, merci bien, bonjour. Bonjour, bonsoir. Je vais aller chercher la clé du train qui est tout en haut. Oh non, c'est tout en haut qu'il faut que j'aille. Pouh là là, c'est loin. Mais en plus, Granny, on la voit pas très bien en mode fantôme, hein. Vraiment, Victor, le gros coquin. Allez, c'est parti. La clé du train, elle était dans la boîte en haut. Faut... Oh, la vilaine. Oh. Non, 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 non. Non. Est-ce que je peux prendre l'ascenseur? Il monte ou pas? Il monte pas. C'est une blague? Pourquoi il monte pas? Ah, il monte. Oui, 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 oui. Ah, c'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. Eh, pourquoi j'ai la tête de mort qui baisse, là? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C'est bon. Allez. J'ai la clé du train. Donc, t'as mis le Teddy et t'as... Eh ben voilà, l'accélérateur. Formidable. Donc, il faut aller placer la clé du train. Re-récupérer l'accélérateur. Et c'est bon. Donc, j'y vais. Oh oh. Oh oh. J'y vais. Moi, j'ai la clé du train. On se dépêche. Tac, tac, boum. Par là, merci. Ok. J'ai des flocons, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être que c'est pour acheter des produits spéciaux pour l'hiver. Voilà. Voilà. Il faut l'accélérateur. Qui va chercher l'accélérateur? Qui? Est-ce que quelqu'un y va au moins? On va voir si Pink a été chercher l'accélérateur. Tu me vois pas? Waouh! Arrête, Granny. Tu arrêtes immédiatement. Tu arrêtes. Oh. Arrête. Oh. Vilain. Il a mis des pièges, le vilain. Maman, 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 maman. Allez, bon, au moins, je peux aller chercher l'accélérateur. Il a eu Pink ou quoi? Je vois plus Pink. Il a la clé de l'arme. Ah, ça serait pas mal s'il pouvait squisher Granny, là. Un bon petit coup sur Granny, ça m'arrangerait pas mal, j'avoue. C'est par là, par là, par là. Ouais. Coucou Pink, il t'a pas eu finalement. Allez hop. Moi je prends l'accélérateur. Et on y va. Par là.
Je vais essayer d'y aller. Je vais y aller par dehors parce que sinon, ça va me faire quoi que je peux aller par là. Ouais. Je peux aller par là. Et oui, là j'ai accès au train. Et oui, on a accès au train par ici. Et oui. Allez, 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 allez. Oui, c'est le train, c'est le train, c'est le train. Allez, allez, allez. On y va. On va là, on va là. Go, 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 go. Ouais. Je me suis échappé par le train. Vite, je le dirai à Pink. Oh non. Ah, mais il la squish pas. C'est parti, Pink va prendre la sortie du train. Et voilà, on a gagné, super. Et voilà qui termine cette partie de Granny avec la nouvelle mise à jour. Vous avez vu la nouvelle map, elle est top. On est sorti par les deux sorties. Je sais pas s'il y en a une troisième, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez d'autres parties Granny Roblox, bien pareil, n'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.